Yo, salut les gens, c'est Goliath. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro, un nouveau gameplay, une nouvelle vidéo sur Goliath 3G, sur Goliath Gaming. Alors, on se retrouve aujourd'hui, les gars, pour un tout nouveau gameplay sur Modern Warfare, premier du nom, sur le fameux Code 4. Donc, je pense que pas mal d'entre vous l'attendaient impatiemment, pardon, cette petite série sur Call of Duty 4. Hein, je pense qu'il y a pas mal de, il y a 2-3 abonnés vraiment qui étaient vraiment très impatients à l'idée de voir cette série débuter. Maintenant, voilà, un petit passage, un petit clin d'œil à un de mes abonnés justement qui m'a donné le courage, envie, la force de pouvoir commencer cette petite série parce que c'est vrai que je prends énormément de risques à vous présenter une série qui n'est composée que de 7 épisodes pour le moment en tout cas, tout simplement parce que je n'ai pas encore eu assez de temps pour pouvoir m'attarder dessus et boulotter afin de stocker mes gameplays, de réaliser, de concrétiser mes objectifs. Donc je fais un petit clin d'œil à un de mes abonnés qui s'appelle donc Tom, qui est un Bruxellois pardon. Ouais, c'est vrai que vous les Français vous j'aimais bien dire Bruxelles et j'ai tellement entendu que maintenant je dis Bruxelles comme vous alors que non, les Belges, nous, on dit Bruxelles. Donc voilà, donc un petit clin d'œil à Tom, donc tu te reconnaîtras sans doute, donc qui est un de mes fidèles abonnés. Donc ça fait toujours plaisir de voir toujours des abonnés qui sont toujours aux aguets et qui sont aussi motivés à te voir progresser et concrétiser tes objectifs. Donc voilà. On débute aujourd'hui donc avec le G36C avec viseur laser sans silencieux. J'avais mis peut-être un chargeur de grande cape, je sais plus trop. Ça fait quand même. J'ai fait tous ces gameplays, enfin les gameplays que je vais vous présenter, je les ai fait à Pâques, donc ça remonte à pas mal de semaines maintenant. Et c'est clair net que je sais plus vous dire si sur Code 4 on sait mettre un chargeur de grande cape. Je sais que sur Modern Warfare 3, oui. Mais sur Code 4, je ne sais plus trop. Enfin bref, donc on va dire que c'était un viseur laser, donc ça c'est sûr, et chargeur en grande cape. Je vais ramasser plus tard, donc j'avais au début, j'avais un Desert Eagle doré, et le Desert Eagle, je vais choisir de le switcher avec un R, ah non, avec un M40, pardon, un M40A3. Qui est un sniper, ouais, qui est un sniper qui est pas mal, qui ressemble énormément au R700 et qui fait partie des snipers emblématiques de la série Call of Duty. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques secondes d'ici, j'avais appuyé tout simplement sur Select et vous avez pu voir un petit peu la qualité de la connexion sur Call of Duty 4. Sur Code 4, c'est waouh, la fluidité, la connexion est vraiment assez, c'est un peu du bric-à-brac comme je l'appelle. Et c'est vrai que bon, c'est en tout cas au moment, je sais pas à l'heure actuelle comment ça se passe, mais au moment de Pâques, les connexions n'étaient pas si, je vais dire stable que ça. Et c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de mal à pouvoir réussir concrétiser mes objectifs et principalement forcément lors de la deuxième semaine pour laquelle il y a eu, comme je vous l'avais dit lors de mes gameplays précédents, pas mal de cheaters, pardon, malheureusement, qui ont débarqué sur Code 4. C'est vrai que la première semaine, je vous l'avais dit, je pense, lors de mon gameplay avec la Remington R5 sur Ghost, je vous avais dit que bon, la première semaine de Pâques m'avait énormément plu parce que j'avais eu la possibilité de stocker pas mal de bons gros gameplays sur ce Code 4. Pas mal de gameplay, pas mal de games qui m'avaient fait énormément de plaisir et sur lequel j'ai éprouvé beaucoup de plaisir. Et à peine dit ça, la deuxième semaine, ça y est, à mon avis, j'aurais pas encore dû ouvrir ma gueule. J'ai encore ouvert ma gueule beaucoup trop vite. J'aurais dû tout simplement encore relever bien haut les mains au lieu de dire ça. Tout simplement parce que la deuxième semaine, il y a eu une sorte de raz-de-marée comme ça de cheaters et de hackers qui ont débarqué sur Code 4 et je n'ai pu sur rien faire malheureusement. Donc voilà, je prends vraiment un très grand risque d'ouvrir un peu cette série qui ne contient pour le moment, encore une fois je le dis, pour le moment que cet épisode. On verra un petit peu vers la suite dans les jours et semaines qui suivent, surtout parce que c'est vrai qu'avec le boulot c'est pas évident tous les jours. D'autant plus que bon voilà, j'aime bien switcher de Call of Duty, vous savez, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces dernières semaines j'ai été beaucoup de temps sur Ghost, un Call of Duty pour lequel jamais j'aurais cru être capable de faire autant de KEM, et puis tout d'un coup en un an de temps j'ai rien su faire et en même pas 5 jours de temps j'ai fait plus de 20 KEM, donc c'est vraiment le jour, c'est vraiment le monde à l'envers. Et pour pas dire le jour à l'envers, ce qui ne veut rien dire, bien sûr. Et donc voilà, j'étais vraiment super content. Et maintenant, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu de côté gauche. Je suis retourné un petit peu sur Modern Warfare 3. J'ai fait quelques mobs hier. J'étais vraiment très content de refaire des mobs parce que ça faisait vraiment pas mal de temps que j'en avais fait. Et aujourd'hui, ça fait quoi? À peine 5 minutes que j'ai été sur Modern Warfare 3.
Et là, je suis encore de nouveau, j'ai effectué 3-4 parties et voilà, la connexion était encore une nouvelle fois merdique. Je suis à 30 mètres d'un type, je tire tout mon chargeur sur sa gueule, toutes les balles passent à travers son toucher, lui met deux balles, j'ai pas d'écran rouge, je crée, donc vive la compensation et vive les connectos. Donc voilà, ce qui m'a fait vite retirer le CD de ma console PS3 et je remets directement Ghost pour, parce que voilà, ces derniers temps Ghost m'a été très bénéfique et voilà, on sait jamais, pour refaire une autre KV avec une autre arme, c'est toujours... C'est toujours intéressant, donc voilà, on va essayer de retourner un peu sur Ghost pour voir un peu ce que ça donne. Si pas, bon, on ira directement sur Code 4 pour voir un petit peu au niveau des connexions, comme ça fait 2-3 semaines, je crois, que j'ai pu jouer à Code 4. Donc on va voir un petit peu au niveau des connexions, voir un petit peu ce que ça donne, et surtout au niveau des cheaters et des hackers, qui, on sait jamais, s'ils ne sont pas là, je pourrais peut-être compléter quelques épisodes en plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je devais vous parler d'autre? Je sais pas ce que je mettrai comme titre de cette vidéo. J'aimerais bien qu'on discute parce que le gameplay est déjà 6 minutes et il se termine dans 3 minutes, donc ça va être super chaud. J'aimerais bien savoir un petit peu si vous avez un petit peu ressenti ça, si vous éprouvez ça ou si vous avez déjà vécu ça. J'aimerais bien en fait qu'on discute de ce sujet, c'est du Call of Duty qui vous fait défaut. Alors moi, j'ai effectué pas mal de recherches, vous savez, moi je suis sur la scène Call of Duty depuis pas mal de temps, depuis même plus de 10 ans maintenant, je suis sur la scène Call of Duty depuis 2002, on est en 2015, donc ça fait quand même plus de 10 ans, et c'est clair et net qu'avec toute l'expérience que j'ai pu accumuler en tant que youtubeur et observateur de ce jeu, c'est vrai que j'ai pu remarquer que concernant les semi-professionnels, les pros, même des amateurs, il y avait certaines personnes qui, même avec autant de talent qu'ils voulaient, hein, avaient éprouvé certaines difficultés à pouvoir s'épanouir dans un des Call of Duty qui nous est présenté tout simplement. Et c'est vrai que j'ai pu voir ça de la part de plusieurs professionnels qui, voilà, ils déchirent pendant X temps, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops. Ils déchirent tout, et puis tout d'un coup, t'as un Call of Duty qui sort, et là, malheureusement, ils ne sont plus trop au point, ils ne sont plus trop au top. Et c'est vrai que je me suis dit que je me suis rencontré, je ne sais plus parler, c'est magnifique. Je me suis rendu compte, voilà, enfin, je trouve le même mot, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y avait un Call of Duty pour moi, personnellement, qui me faisait défaut, sur lequel je n'arrive jamais à rien. Là au passage, 25 kills d'affilée, objectif concrétisé avec le J36C, j'étais super content. On reprend, donc voilà. Donc je disais, donc oui, donc moi, le Call of Duty qui me fait défaut, donc là au passage, une petite triplette ou même quadruple, une triple ou une quadruple, enfin bref, qui me fait défaut à cause du fameux Massodon, bref. Ça sera toujours comme ça pour moi, j'aurai jamais de chat. Donc, je disais, donc moi, le Call of Duty qui me fait défaut, c'est Black Ops 2. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est... qui a été apprécié de la part du grand public, qui est un des 3 meilleurs Call of Duty, je pense, ou un des 4 meilleurs Call of Duty pour le grand public. Et c'est vrai que malheureusement, moi, ben non, moi je ne le mets pas dans les 4 meilleurs, tout simplement parce que je n'arrive tristement à rien dans ce jeu. Et ça, c'est pas une blague. Hein. Sur Black Ops 2, je vous assure que je n'arrive à rien. Alors, c'est vraiment l'ironie du sort parce que j'arrive à concrétiser des objectifs sur Modern Warfare 3. Sur Modern Warfare 2, sur Code 4, et malheureusement, sur ce putain de Black Ops 2, je n'arrive à rien. Alors que sur Black Ops 1, c'était le jeu sur lequel j'ai le plus kiffé. C'est vraiment une ironie du sort pour moi. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires, voir un petit peu si vous ressentez un petit peu la même idée, si vous sentez un petit peu les mêmes choses que moi. Dites-moi un petit peu dans le commentaire, dans l'espace commentaire, pour que je sache un petit peu quels sont les Call of Duty qui arrivent dans les 3 mauvaises places au niveau des codes qui restent vraiment une difficulté pour vous. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, ça serait vraiment très intéressant pour moi, donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, donc le gameplay est déjà terminé, donc j'essaierai de mettre quelque chose à la place en tant que vie, tout simplement. Donc voilà, c'était Goliath, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. J'espère que ce gameplay vous a plu et que vous êtes vraiment enchanté du départ de cette série sur Code 4. Donc voilà, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye.